17 véhicules tout-terrain offerts par le PRAPS 2 au ministère de l'Élevage et des Productions Animales. Un appui à moyen roulant acquis par le PRAPS 2 sur financement de la Banque mondiale. Ces engins sont réceptionnés officiellement par le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, le professeur Abderrahim Ahawat Ateyip. Grâce à l'action de la Banque mondiale, nous remettons aujourd'hui 17 véhicules 4x4 dont 13 destinés au ministère de l'Élevage et 4 à l'unité de coordination du projet d'une valeur de 389 millions. Nous apprécions à sa juste valeur le soutien que la Banque mondiale apporte à notre pays depuis plusieurs décennies dans ses efforts pour une croissance soutenue. Le chef du département de l'élevage remercie la Banque mondiale pour cette donation. Nous remercions la Banque mondiale à travers le PRAPS pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour nous. Les véhicules qui sont là vont aller à destination de 13 provinces qui sont couvertes par le projet PRAPS 2. Et donc, ces véhicules, nous vous rassurons qu'ils vont être distribués à ceux qui les méritent, mais eux aussi, on va leur demander à ce qu'ils entretiennent ces véhicules-là comme le leur. 10 jeunes agents du ministère bénéficiaires des bourses formation en doctorat vétérinaire à l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, dont les études sont prises en charge par le PRAPS 2, sont également présentés au ministre de l'Élevage et des Productions Animales au cours de cette cérémonie.